Shalom, vous qui êtes en train de me suivre partout, je vous salue tous. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Bienvenue dans votre émission, le temps du Saint-Esprit. Je vais parler avec vous sur un thème qui est très important, arrêter les voleurs. Arrêter les voleurs. La Bible dit ceci dans Jean 10, 10. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'elle ait en abondance. Arrêtez les voleurs, c'est notre thème que nous voulons développer. Proverbe 6, verset 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Arrêter les voleurs, c'est le thème que nous voulons partager. Mon frère, ma soeur, qui est le voleur? Le voleur, c'est Satan, le diable. Il vient pour détruire les destinées. Je ne sais pas qu'est-ce que Satan a volé dans ta vie. Il y en a d'autres, on a volé la santé. Il y en a d'autres, on a volé les finances. Il y en a d'autres, on a volé la destinée. Il y en a d'autres, on a volé le travail, le mariage, les affaires. Je ne sais pas dans quel domaine dans ta vie que tu es en train de souffrir du vol. Mais je suis une bonne nouvelle pour toi. Malgré les voleurs, mais il y a aussi Jésus-Christ qui est venu. Il a dit, je suis venu afin que mes bébés aient la vie et aient la vie en abondance. Je suis venu dire à quelqu'un à qui, celui qui est victime du vol, que Jésus-Christ peut te restaurer. Jésus-Christ peut faire un miracle dans ta vie, peut réparer tout ce que le diable a détruit dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un à qui on a volé la santé. Tu es là à tout moment, tu prends le médicament. Tu es là à tout moment, il n'y a pas la paix dans ton foyer, on a volé ton foyer, on a volé ton mariage. Je vais te dire que Jésus-Christ peut te donner la victoire au nom de Jésus. Il y a les symptômes qui démontrent que vous êtes victime du vol. Les symptômes qui démontrent que quelqu'un est victime du vol. Quand quelqu'un est victime du vol, bien-aimé, il va vivre le contraire de la bénédiction, le contraire du plan de Dieu. Quand quelqu'un vit le contraire du plan de Dieu, au lieu de vivre la bénédiction, il vit la malédiction. Au lieu de vivre la santé, tu vis la maladie. Sache que le diable t'a volé. Au lieu de vivre le mariage, tu vis le célibat. Quelqu'un qui est victime du vol, il va vivre le contraire du plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dans le plan de Dieu, il y a le mariage. Dans le plan de Dieu, il y a l'élévation. Dans le plan de Dieu, il y a tout ce qui a de bonheur. Je suis venu dire à tous ceux qui sont en train de me suivre, à qui le diable a volé la santé, Jésus-Christ peut vous restituer. Il y a un miracle pour vous. Jésus est capable de restituer tout ce que le diable a volé. Le diable est un menteur, il est un voleur. Il a volé la santé, il a volé la joie. Jésus peut vous restaurer. Deuxième symptôme qui démontre que quelqu'un est victime du vol, c'est le manque de joie. Il y aura le manque de joie. La personne n'aura pas la joie dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu vis réellement la joie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu vis dans la joie dans les mariages? Est-ce que tu vis la joie dans les affaires que tu fais? Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie dans ce travail-là. Il n'y a pas la joie dans ce mariage-là. Le diable est entré. Il a volé ta joie. Tu es victime. Là où il y a les vols, la personne aura les soucis. Tu t'inquiètes. Il va commencer à s'inquiéter. Tu es en train de t'inquiéter pour la vie de tes enfants. Si tu es touché par ces messages, tu peux nous écrire. Tu peux nous appeler à nos numéros qui sont sur l'écran. 00243-89-811-4031. C'est mon numéro WhatsApp. Jésus-Christ est capable de vous restituer tout ce qu'on a volé. Là où on a volé, il y aura la tristesse. Quatrième symptôme, la tristesse. La personne vit dans les soucis. Il vit dans les soucis. Rien ne marche.
Il se soucie beaucoup de sa vie, de son avenir. Et cela démontre que la personne est victime d'un vol quelconque. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ est capable de faire un miracle dans ta vie. Même si le diable a volé, mais le diable ne vole pas tout. La bonne nouvelle est que le diable ne vole pas tout. Il y a toujours un reste. À partir de ce reste-là, que Jésus-Christ va commencer à faire des miracles. Il y a toujours un reste. Le diable ne vole pas tout. Il y a un reste dans ta santé. Il y a un reste dans ton mariage. Il y a un reste dans tes finances. Avec ce reste-là, Dieu va commencer. La Bible dit, Dieu, bien que ton commencement semble petit, ta fin sera grande. Je suis venu dire à quelqu'un, ne désespère pas. Il y a toujours un reste. Là où la personne a expérimenté les vols, bien aimé, la personne va vivre une vie imposée par l'ennemi. Une vie de pauvreté. On vous a imposé la pauvreté. On vous a imposé la maladie. On vous a imposé le chômage. La vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie que Dieu a destinée pour toi. On t'a imposé le célibat. Ce n'est pas normal. Une personne qui vit, qui est victime du vol, il vit une vie imposée par l'ennemi. Les sorciers t'ont imposé la maladie. Les sorciers t'ont imposé une vie de prostitution. Il y avait une femme qui était dans le mariage. Lorsque le diable a volé son mariage, le marié est parti. Le marié est allé épouser une autre femme. La femme là s'est lancée dans la prostitution. On l'a imposé une vie de prostitution. Elle commençait à sortir avec n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on l'a imposé une vie qu'elle n'avait pas auparavant. Donc lorsque la personne est victime du vol, il subit les pressions de l'ennemi. Toi qui es en train de me suivre là, tu es en train de subir la pression, tu ne dors pas la nuit. Là où la personne, on a volé la personne, il va commencer à faire des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Si tu es touché par ces messages, tu te retrouves dans ces choses que tu es en train de citer. Tu peux nous appeler, nous allons t'accorder dans la prière. Jésus-Christ est Seigneur. Il peut te donner la victoire au nom de Jésus. Tu peux avoir la victoire sur tout ce que le diable a volé, a détruit dans ta vie. Jésus peut te restituer. Il a dit, je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'il est en abondance. Comment arrêter les voleurs? Comment arrêter les voleurs? Parce que c'est notre thème, arrêter les voleurs. Comment arrêter les voleurs? Si vous voulez arrêter les voleurs, qui est le diable, qui est Satan, bien aimé, la première chose que vous allez faire, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Il faut que la personne puisse accepter Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Il faut accepter Christ dans votre vie. Il faut donner à Jésus-Christ votre vie, qu'il puisse avoir la première place. Apocalypse 3:20 dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Vous devez donner votre vie à Jésus. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez dire, vous détourner de tout ce qui est comme péché dans votre vie. Parce que la Bible dit dans Jean 15:30, les princes de ce monde viennent, il n'y a rien de lui à moi. Il faut se détourner de tout ce qui est comme vie de péché. Il faut marcher dans la droiture si vous voulez arrêter les diables. Les diables ne cherchent que ce qui est à lui. Il faut arrêter les voleurs. Et pour l'arrêter, nous devons nous débarrasser comme tout ce qui est comme vie du péché. Vous devez vous débarrasser des dettes. Vous devez vous débarrasser de l'impudicité. Vous devez vous débarrasser du mensonge. Il faut se séparer, se dépouiller de toute mauvaise vie. Si vous voulez arrêter les voleurs. Comment arrêter les voleurs? Troisièmement, il faut l'arrêter dans la prière. Il faut le commander. Il faut commander à Satan de vous quitter. Il faut commander à la maladie, vous devez vous quitter. Il faut utiliser l'autorité de la parole de Dieu, la prière. Au travers de la prière, les chaînes tombent. Nous devons arrêter les voleurs. Il faut résister au diable. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, résister au diable. Il fera loin de vous. Il faut résister au diable. Il faut barrer ses manœuvres. Il faut refuser tout ce que le diable a semé dans ta vie. Mon frère, ma soeur, la vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie que Dieu t'a destinée. Non, c'est une vie de misère. C'est une vie de médiocrité. Il faut refuser ça. Jésus-Christ est venu pour nous apporter la lumière. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, nous devons arrêter les voleurs qui ont volé ta santé. Nous devons arrêter les voleurs qui ont volé ta finance. Tu avais l'argent, maintenant tu n'as plus l'argent. Où est parti cet argent? Parce qu'on a volé ça dans le monde des ténèbres. On a volé ton étoile. Jésus-Christ peut te restituer ton étoile. On a volé ton mariage. Jésus-Christ peut te restituer ton mariage.
Si tu es touché par ces messages, tu peux nous appeler 00243 89 811 4031. Pour arrêter les voleurs, mon frère, ma soeur, il faut savoir parler la restauration. Il faut parler des bonnes choses, il faut parler positivement. Ne parle pas ce que tu vis, ne parle pas les situations négatives que tu vis, mais parle la parole de Dieu. La parole a la capacité de créer la restauration. La parole a la capacité de vous retourner tout ce que le diable vous a volé. Il y a un miracle dans la vie. Cinquièmement, il faut accepter la vie en abondance que Jésus donne. Dans Jean 10, il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober et égorger, mais moi je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il faut accepter la vie abondante de Dieu. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie abondante. Le diable ne peut pas te toucher. Il faut mettre des limites dans ta vie. Le diable a des limites. Je suis venu dire à quelqu'un, le diable ne pourra plus te toucher. Tu dois prendre conscience de la présence de Dieu en toi. Il a dit, il faut prendre autorité sur le diable. La sixième chose que vous devez faire, il faut prendre autorité sur le diable. Savoir que vous êtes au-dessus du diable, au-dessus des attaques, au-dessus de Satan. L'église dit, la Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Arrêtez les voleurs. Les voleurs doivent être arrêtés dans ta vie. La Bible dit, si on arrête les voleurs, il doit restituer au centuple. Je suis en train de voir la santé de quelqu'un être restituée au centuple. On ne tiendra pas pour innocent les voleurs qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Donc, fois 7, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il faut que le diable puisse restituer votre santé. Il faut que le diable puisse restituer votre mariage. Fois 7, je suis venu dire à une personne, il y a une bénédiction pour toi. Fois 7, les voleurs doivent être arrêtés. À Golgotha, Jésus-Christ a arrêté les voleurs. À Golgotha, Jésus-Christ a vaincu Satan. Il n'a plus le pouvoir sur les enfants de Dieu. Tu dois dire non à l'échec. Tu dois dire non à la maladie. Tu dois dire non au péché. Parce que Jésus a vaincu Satan. Il a écrasé la tête de Satan. Je vais prier pour vous, pour tous ceux qui sont malades, à qui on a volé la santé, à qui on a volé la richesse. Tu travaillais, mais tu ne travailles plus. Tu étais dans un mariage, mais tu te retrouves maintenant célibataire. Pourquoi? Le diable a volé. Tu avais l'argent, tu n'as plus l'argent. Pourquoi? Parce que l'élément des ténèbres a volé. Je vais prier pour vous pour que vous puissiez récupérer tout ce que le diable a volé. La restitution est possible. Nous allons le commander, il va restituer tout ce qu'il a volé. Jésus-Christ, c'est lui notre avocat. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre défenseur. Nous avons arraché entre les mains du diable tout ce qu'il a volé. Qu'il restitue ta santé. Qu'il restitue tes finances. Qu'il restitue ton mariage au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu puisses refuser cette vie-là qu'il t'a imposée. Il faut que tu puisses refuser cette vie-là de médiocrité. Il faut que tu puisses refuser la vie de célibat. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Les maris viennent, les hommes viennent et partent. Ce n'est pas normal. Ils t'ont donné une vie imposée, ils t'ont imposé une vie des femmes et des maris de nuit. Ce n'est pas normal. Tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour tous ces gens-là qui sont touchés par ces messages, qui sont en train de vivre les effets des œuvres des diables dans leur vie. Les voleurs, c'est Satan, c'est le diable. Si on a volé votre santé, je vais prier que Jésus-Christ vous restitue votre santé. Si on a volé votre destinée, je vais prier que votre destinée vous soit restituée. S'il a volé vos finances, je vais prier que vos finances soient restituées. Votre travail, votre mariage, vos enfants. Oh, regardez ce que les enfants font, ce n'est pas eux. Pourquoi? Parce qu'on a volé leur intelligence. L'enfant s'appliquait bien à l'école, mais ces derniers temps, l'enfant ne s'applique plus. Pourquoi? Parce qu'on a volé son intelligence. Arrêtez les voleurs. Les voleurs doivent être arrêtés et chassés. Satan doit être arrêté dans nos vies et chassé. On doit chasser la maladie. On doit chasser la pauvreté. On doit chasser la médiocrité qu'il a mis. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. On doit chasser l'ivrognerie qu'il a mis en toi. Il faut que nous puissions l'arrêter. La façon dont ton mari se comporte maintenant, ce n'est pas lui. Le voleur est entré. On a volé son bon caractère. On a volé la joie que tu avais dans le mariage. Jésus-Christ peut te restituer. Arrêtez les voleurs. Nous devons l'arrêter dans les prières.
devons l'arrêter, nous pouvons l'arrêter en se confiant aux hommes de Dieu qui ont l'onction. Vous pouvez nous appeler, je vais prier pour vous. Je vais prier pour tous ces gens-là à qui le diable a volé la santé. Le diable avait volé ma santé. Mais quand je commençais à prier, Jésus-Christ m'a guéri. Il va aussi te guérir. La bonne nouvelle est que Christ guérit encore. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ fait les miracles. Les miracles sont possibles. Vous pouvez arrêter les voleurs. Ne laissez pas les voleurs vous dépouiller. Ne laissez pas les voleurs continuer son œuvre. Arrêtez son action dans votre vie. Dites stop maladie. Stop pauvreté. Stop Satan. Stop stérilité. Il a volé votre fécondité. Nous devons l'arrêter pour que puisse restituer la fécondité. Nous devons l'arrêter pour que puisse restituer le mariage. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre mariage. Au nom de Jésus-Christ, recevez la paix. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Père, dans le nom de Jésus, bénis cet homme ou cette femme qui m'a suivi. Je viens maintenant arrêter les voleurs dans leur vie. Je viens arrêter le diable de la maladie. Je viens arrêter le diable du célibat. Je viens arrêter le diable de la pauvreté dans leur vie. Je commande que Satan quitte leur vie au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la maladie, qui est la guérison. Que l'onction de Dieu vous touche, vous guérisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'onction de Dieu pour vous, sur vous. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous appeler à nos numéros 0243 89 811 40 31. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Thierry Pandy. Que à la prochaine, à la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je salue le frère Hilaire, je salue les pasteurs Roger Lumbala, l'église Mont des Oliviers, Maman Tchouka. Que Dieu vous bénisse. Pasteur elle, je salue tout le monde. Le pasteur Richard Pandy, que Dieu vous bénisse. Je salue Madame Rachel. Je salue Maman Isabelle Congolo. Ndala, que Dieu vous bénisse. Jenny, et ainsi que tous les bien-aimés qui nous soutiennent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Ciao, à la prochaine. C'était votre émission, Le Temps du Saint-Esprit. Soyez bénis.